Bonjour à tous et bienvenue sur le temps d'un kit. Alors aujourd'hui, je voudrais vous présenter une maquette de chez Bandai. Et cette maquette n'est autre que la maquette de Goldorak Grandizer de chez Bandai. Allez, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, première phase, je vais vous montrer déjà la boîte. Donc, on peut voir que c'est une boîte. C'est un kit de 2019, donc c'est relativement récent. C'est un kit, donc c'est une figurine au HG, donc c'est l'échelle qui est appliquée chez Bandai, donc ça veut dire high grade, et donc c'est au 144e. Et en moyenne, c'est une figurine qui peut faire entre 10 et 15 cm une fois montée. Donc ça, c'était donc la face avant. Je vais vous montrer ce qu'on peut voir sur une des faces. Donc on voit le résultat hein, du modèle une fois monté avec des poses dynamiques. Voilà, je vais essayer de vous montrer une autre face. Bon, ça dépasse le cadre. Voilà. Plastic Model Grandizer Infinitism. Sur ce côté-ci, on peut voir donc une belle pose de ce Goldorak. Et un peu plus bas, une photo avec donc Goldorak au milieu et de chaque côté, les célèbres Mazinger. Alors c'est parti, j'ouvre la boîte. Donc comme on peut le voir, c'est une boîte qui est bien remplie. Donc il y a une grappe, deux grappes. Ça c'est la notice. Trois grappes, quatre grappes, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Il y a 20 grappes dans la boîte. Donc, ça va vraiment être sympa. Il y a du boulot. Je vais vous les montrer un petit peu mieux que ça. Donc, voici l'intégralité des grappes qu'il y a dans cette boîte. Je vous ai juste mis sur le côté deux grappes pour faire l'action base. Mais bon, c'est un petit peu à part. Mais en tous les cas, entre l'Alcorak et Goldorak sont représentés sur toutes les grappes qui sont devant vous. Donc comme vous pouvez le voir, il y a de quoi faire. Je vais vous montrer quelques grappes plus en détail. Vous voyez qu'elles sont quand même relativement bien détaillées. Donc vous voyez par exemple ici, hein, on voit bien que c'est quand même du plus bel effet. Donc là, je pense qu'on est sur la partie frame du Goldorak. Hein. Donc voilà la première. Là, je vais vous en montrer une autre. Donc là, on est sur du rouge. Donc on est à la fois sur des pièces de Goldorak et également des pièces pour l'Alcorak. Là, on voit très clairement l'avant du vaisseau là, avec le cockpit qui sera à l'intérieur. Voilà. Donc, bien détaillé aussi. Hein. Ensuite, on continue avec celle-ci. Donc, pareil, hein, bien détaillé. Après, couleur un peu plus gris métallisé pour la partie Goldorak, on va dire un peu plus son squelette, bien détaillé encore une fois. Hein. C'est une maquette que j'ai hâte de monter. Hein.
pour voir ce que ça donne. Donc pareil, toujours sur un gris métallisé. Donc on voit bien hein, les différents éléments. C'est propre. Là, je vous montre une autre grappe. On est sur du noir là. On est sur les pieds là. Bien détaillé encore une fois. Et là, une dernière. Regardez les mains. Les jambes. Non, c'est propre, c'est propre. Regardez, ça c'est pareil, hein. Vraiment bien fait. Encore celle-ci. Cette grappe là, c'est pareil. On voit que c'est propre, bien détaillé. Donc présentation de la notice. Donc pareil, une très belle illustration en première page. Donc toutes les grappes qui nous sont fournis dans le kit, et toutes celles qu'on voyait des croix comme ça, c'est les pièces qu'on n'utilisera pas sur cette maquette. Donc ensuite, notice de montage. Donc maintenant les notices sont traduites en anglais, donc ça peut quand même aider hein, parce qu'avant quand c'était que en japonais, si vous parlez pas le japonais, c'est un peu compliqué. Donc toujours sur le même type pour ce genre de maquette, on commence souvent par la tête. Ensuite, on fait les bras. Ensuite, on fait les jambes. Ensuite, on fait le torse et la jupe. Et ensuite, il n'y a plus qu'à tout rassembler et notre maquette est prête. Donc les accessoires, donc l'alcorac, la stéro hache, le fulgure au point. Encore une fois, des belles illustrations de notre maquette montée. Et à la tout en bas de la page, pour ceux qui sont tenter, vous avez le guide des couleurs. Et donc pareil, cette fois-ci, ça va être plus facile parce que c'est traduit en anglais pour pouvoir faire les mélanges. C'est quand même plus facile. Donc voilà pour le fascicule de montage. Et enfin, fourni également les stickers. Et pour finir. Et voilà les amis, c'est tout pour cette présentation de ce kit de chez Bandai Grandizer alias Goldorak pour chez nous. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, on pense à liker, à partager, à s'abonner. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, bye!